Chers compatriotes, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce jour 30 juin 2023, veille de la troisième et dernière étape de la Journée nationale du mouchoir magnétique. Demain, samedi 1er juillet 2023, nous allons nous retrouver à Boïcon sur l'espace ISEP situé au quartier Saclo-Quindenou pour vivre en live la merveille du mouchoir magnétique, cet outil précieux dont les exploits ne se comptent plus. La Journée nationale du mouchoir magnétique, comme vous le savez, est un événement dont l'histoire reste intrinsèquement rattachée à l'histoire de l'ISEP, d'une part, et à l'histoire du mouchoir magnétique lui-même, d'autre part. Histoire dont je me réserve le droit de vous parler plus tard. Demain donc, je veux dire le 1er juillet 2023, nous aurons l'occasion de célébrer la reconnaissance à l'égard du mouchoir magnétique pour ses multiples services rendus. Nous aurons l'occasion de pousser encore un peu plus notre état d'être dans la gratitude vis-à-vis de notre univers pour l'accompagnement multiforme et maintes fois diversifié dont nous avons bénéficié durant une année entière. Demain, je veux dire le 1er juillet 2023, nous aurons l'occasion de vivre de grands moments, moments hautement sacrés. Nous aurons l'occasion de créer et maintenir l'harmonie entre nous-mêmes, d'une part, entre les autres et nous-mêmes, d'autre part. Il s'agira pour nous de nous saisir de cet événement pour articuler notre vie autour de la pensée. Cette matière première qui nous alimente et dont nous avons peu connaissance. Vous savez, et je le sais aussi, que nous vivons dans un monde matériel où nous nous sentons étouffés tous les jours. Notre vie quotidienne est secouée par des scènes de violence dont l'horreur et la cruauté dépassent le simple entendement. Nous sommes entourés de nombreuses personnes, que ce soit nos épouses, nos enfants, nos amis, nos voisins. Et dans le même temps, nous avons le sentiment constant. Le sentiment que nous sommes toujours seuls. Nous sommes habités par le profond désir de nous relaxer et de retrouver notre silence intérieur qui nous procure le vrai sens du bonheur, l'intégrité physique et mentale, la parfaite harmonie entre la fréquence de nos ondes cérébrales et l'univers de nos sentiments. Ce silence intérieur est notre plus important allié dans le voyage en nous-mêmes. Le meilleur antidote à l'alarmante augmentation du volume d'antidépresseurs consommés dans le monde entier pour traiter différents types de syndromes psychologiques, de syndromes psychiques aussi, qui détruisent la vie, non pas seulement des individus, mais des familles entières. Le silence intérieur fait de l'homme un être ouvert à la vérité au fond de son âme, un être ouvert à tous les types de compréhension, à tous les types de compassion, devenant ainsi un outil, je parle du silence intérieur,
devenant ainsi un outil puissant pour l'approbation du bon usage de la parole comme une source d'expression et de tolérance. Le silence intérieur est un glaive dans le combat spirituel. L'âme silencieuse est capable de s'unir à la conscience universelle qui agit en chacun de nous sans rencontrer d'obstacles. Au début de nos travaux, l'un de nos frères nous appellera au silence intérieur. Aussitôt, nous deviendrons une force vivante et autonome, cet égrégore fécond, qui nous accompagne et nous accompagnera tout le long de nos travaux. Cette entité psychique ne pourra s'unifier pour un but commun si les uns et les autres continue plutôt d'être placé sous l'influence de désirs et d'émotions individuelles et parfois opposées. Nous deviendrons dès lors une force engendrée par une puissante énergie en harmonie avec la vie universelle du cosmos. Nous serons alors assistés dans l'invisible et hors de notre perception physique par d'autres êtres qui prendront part à nos travaux demain. Le plongeon dans le silence intérieur sera la connaissance de la vérité, ou nous poussera à la connaissance de la vérité. Le silence à l'intérieur de chacun de nous sera inaudible et incolore, comme la vie dans un piscine. Sans ce silence, rien n'existe, encore moins la paix et la tranquillité. À l'occasion de la Journée nationale du mouchoir magnétique, demain donc, nous apprendrons à mettre fin au bavardage mental. Nous apprendrons à nous protéger des souffrances et douleurs qui nous assaillent. Nous apprendrons à retrouver la joie de vivre, le courage d'avancer vers la lumière et le progrès dans l'accomplissement. Si vous avez le sentiment que la vie vous a abandonné, vous avez le sentiment que rien ne vous marche. L'argent vous file entre vos doigts. Les tensions au sein de vos familles et de vos services sont de plus en plus invivables. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous êtes toujours malade et vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Venez à cette dernière étape de la fête du mouchoir magnétique, où vous attendent d'agréables surprises. Les soucis vous envahissent très souvent. Vous êtes constamment sur les nerfs. Vous êtes continuellement malheureux, sans cause valable. Votre état d'esprit est sujet à d'importantes variations qui bouleversent vos activités. Vous vous plaignez d'insomnie et vous vous plaignez également de douleurs vagues auxquelles les médecins n'ont rien pu et ne pourront rien. Venez à cette dernière étape de la fête du mouchoir magnétique où vous attendent d'agréables surprises. Vous êtes sous l'emprise des forces ténébreuses et vous échouez presque à tout dans la vie. Vos affaires décroissent sans raison apparente. Vous cherchez une grossesse sans suite. Vous faites constamment de fausses couches ou de mort-nés. Des surprises désagréables vous tordent le cou. Qu'il s'agisse des déceptions conjugales, des déceptions amoureuses, du déficit financier et même des échecs de vos enfants. Venez à cette dernière étape de la fête du mouchoir magnétique où vous attendent, je le confirme pour une troisième fois, d'agréables surprises.
sont donc attendus demain. Tous ceux et toutes celles qui disposent d'un mouchoir magnétique datant d'au moins d'un an, ayant ou non des témoignages à présenter. Je pense à tous ces hommes. Je pense à toutes ces femmes de toutes conditions sociales, de toutes catégories et de toute obédience religieuse, sans aucune discrimination. Cela répond au message maintes fois rappelé, message qui me lie à l'humanité entière, message que le mouchoir magnétique est tenu puisque je l'en ai chargé, message que le mouchoir magnétique est donc tenu de faire parvenir à chaque utilisateur. En effet, le 30 juin 2012 est la date à laquelle je suis parvenu à 23h59 après 8 mois de travail assidu, de travail ardu, de travail passionné, de fatigue parfois aussi, à la réalisation du premier mouchoir magnétique, dont le cycle commence ainsi le 1er juillet. Pour matérialiser ce cheminement et m'engager dans la résolution à grande échelle des problèmes qui assaillent les hommes et les femmes sur la Terre, j'ai chargé le mouchoir magnétique du message ci-après. Chaque fois et toutes les fois que vous prendrez le mouchoir, sachez que je vous dis ceci. Je ne veux pas savoir de quelle région vous êtes. Je ne veux pas savoir de quelle religion vous êtes. Vous souffrez. Les échos de vos gémissements et de vos plaintes me parviennent. Je me fais alors le devoir de vous soulager. À vous, je destine ce mouchoir magnétique. Voilà le message qui me lie à vous, le message qui me lie à l'humanité, et que le mouchoir magnétique est tenu de vous porter. Je voudrais vous parler de la périodicité de la Journée nationale du mouchoir magnétique en précisant quand elle a commencé. C'était un 30 juillet 2016 au Palais des Sports de Cotonou que la première édition de la Journée nationale du mouchoir magnétique a été lancée sous le thème « La Journée nationale du mouchoir magnétique, pourquoi et pour quel effet ?» L'année d'après, soit le 30 juillet 2017, le Palais des Congrès nous a ouvert ses portes pour accueillir la deuxième édition sous le thème « Le mouchoir magnétique, ses fondements et son mode opératoire ». En 2018, cette journée placée sous le thème « Pourquoi continuez-vous à souffrir ?» et comment arrêter a connu une démultiplication en 3 étapes. Le 28 juillet 2018, l'hôtel Le Privilège, situé dans la commune d'Abomey-Calavi, au quartier Arconville, nous a accueillis pour la première fois dans la joie et la ferveur. Le 4 août 2018, ce fut le tour du lycée Mathieu Bouquet de Parakou, d'abriter l'événement et l'espace ISEP de Boïcon situé au quartier Saclo-Quindonou nous a accueillis le 11 août 2018 pour clôturer en beauté l'édition de cette année-là. 2 semaines après, soit le 25 août 2018, nous avons était bien obligé, je parle de la direction de l'ISEP et de moi-même, nous avons été obligés de céder à la pression de nombre de nos participants qui n'avaient qu'une seule demande, la tenue pressante de ce que nous avons convenu d'appeler prolongement des enseignements du maître. La 4e édition a eu lieu à l'espace ISEP de Boïcon, le 27 juillet 2019, sous un thème assez évocateur, l'homme, cette marchandise oubliée. L'année 2020
a été marqué par une pause en raison de la très triste pandémie du coronavirus. En 2021, nous avons renoué avec la Journée nationale du mouchoir magnétique. Nous avons donc renoué avec cet événement en consacrant 3 étapes à la célébration de cet outil précieux. La 5e édition, placée sous le thème « Laissez entrer la lumière », a donc eu lieu successivement le 12 juin 2021 à l'hôtel Le Privilège d'Abomey Calavi, le 19 juin 2021 à Parakou, sur l'espace ISEF situé au quartier Tian, et le 26 juin 2021, ce fut le tour de l'espace ISEF de Saklo Kendenou à Boïkon de nous donner l'occasion de clôturer dans l'allégresse et l'apothéose cette fête. Le samedi 23 juillet 2022, nous nous sommes retrouvés à Saklo Kendenou sur l'espace ISEP de Boïkon pour lancer officiellement la 6e édition placée sous le thème. Un thème interrogateur. Et si vous changez vos trajectoires? Le samedi 17 juin 2023, nous avons procédé au lancement de la 7e édition placée sous le thème « Qu'est-ce qu'il y a derrière le mouchoir magnétique ?» Une question qui nous est posée à maintes reprises déjà. À quoi pouvons-nous nous attendre ce 1er juillet 2023 à Boïkon? Beaucoup de surprises agréables nous attendent. Ce sera époustouflant. L'allégresse, la joie et la ferveur seront au rendez-vous. Au moins 5 groupes d'artistes seront présents pour agrémenter la journée. Nous allons donner l'occasion à ceux et celles qui désirent accompagner notre chaîne de télévision HMD4. Nous leur donnerons l'occasion de le faire parce qu'ils tiennent à soutenir les EP en libérant leurs dons. Cette partie est placée sous le sceau, comme d'habitude, d'un huissier de justice et d'un maître de cérémonie. Je saisis cette occasion pour appeler à la célébration de la reconnaissance et à l'institution de la gratitude envers HMD4, entièrement dévoué à la cause de l'homme, que dis-je, à la cause de l'humanité. J'appelle ici mes compatriotes qui traînent encore le pas à mettre les bouchées doubles pour être présent demain, samedi 1er juillet 2023, à Saklo Kendenou. Demain, nous ressentirons la présence parmi nous des êtres de lumière et nous ressentirons la présence de nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, ceux-là qui ne manqueront pas de se manifester à certains parmi nous. En ce qui concerne nos désirs purifiés, je vous rassure, nous avons déjà une garantie d'au moins 80% de satisfaction. C'est à vous de venir cueillir cette satisfaction. Bousculons-nous à l'entrée de notre espace ISEP à Saklo Kendenou le 1er juillet 2023 pour réserver chacun sa place dès avant 9h. Tout commencera par une pré-ouverture qui nous fera revivre quelques témoignages tirés des 2 étapes antérieures. L'entrée du maître sera marquée d'une solennité dont la grandeur sera à la hauteur de l'événement. Là déjà, commencez sans attendre par formuler vos désirs uniques et la chaîne de partage viendra clôturer l'événement dans la beauté. La gaieté et la joie illumineront le visage de tous les participants qui auront réussi
à tirer le profit du silence intérieur qui reste notre allié important lors du voyage en nous-mêmes. Cette gaieté et cette joie seront décuplées par les rythmes tirés de la culture béninoise. Je pense au ranyé. Je pense à ce rythme nago devant venir de Banté. Je pense au rythme agbaja, etc., etc. Les témoignages, je ne peux savoir de quelle couleur seront-ils. Je sais que mes enseignements seront d'une facture spéciale. La profondeur de ces enseignements ne laissera personne indifférent. Je sais que beaucoup sont intéressés par ce qu'il y a derrière le mouchoir magnétique. Rien à dire à ce propos, si ce n'est la pensée magnétique. L'occasion me sera donnée d'établir le rapport entre le mouchoir et la pensée. Dans tous les cas, il y aura de l'étincelle dans l'air, étincelle qui viendra bousculer les frontières de l'ignorance. Ignorance qu'entretiennent les connaissances fausses, les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Demain, je vais parler du 1er juillet 2023. Nous allons viser lors de nos travaux l'ouverture à des états de conscience transpersonnels. Je vais parler du numineux, NUMINEUX. Je veux parler du numineux, cette expérience non rationnelle du mystère, se passant des sens et des sentiments, et dont l'objet premier et immédiat se trouve en dehors de chacun de nous. Le numineux est ce qui, venant d'ailleurs, nous saisit et nous donne le sentiment d'être. Nous ferons chacun à son niveau l'expérience du sacré afin d'échapper à notre condition d'être fini et mortel. N'éprouvons aucun malaise devant certaines formes de manifestation du sacré ce 1er juillet 2023. La chaîne de partage qui facilitera notre entrée dans le monde de la superconscience, ces chaînes de partage nous sera accessible. Grâce à ces chaînes, les frères et sœurs disséminés sur toute la surface du globe resteront toujours en contact des uns et des autres. Ils devront entourer l'humanité dans le monde invisible pour la préserver de misère et de douleurs infiniment plus grandes que celles dont elle souffre réellement. Lorsque je vous inviterai à entrer dans la chaîne de partage, cela s'entend, vous découvrirez dans ce rituel plus qu'un signe. Vous vous tiendrez par les mains et nos esprits se connecteront aussitôt à un espace éthéré. Un peu comme le physicien qui cherche à mettre en une équation tout l'univers. Nous formerons un cercle qui sépare du monde profane l'espace éthéré ainsi délimité. Tant que s'y poursuit le travail sacré, nous décrivons à l'aide de nos pieds un triangle dont Pythagore fut le premier à associer les nombres successifs 3, 4 et 5, se trouvant chargé d'une symbolique fondamentale. Nous enlèverons les scories accumulées lors de notre vie profane pour donner par la main droite et recevoir par la main gauche une puissante énergie vécue qui se transmettra comme les particules dans un accélérateur. Ce fluide nous réchauffera. Ce fluide nous apaisera.
tout en nous aspirant vers le haut, vers l'amour infini qui, par cette fusion rituelle et collective, se densifiera et nous entraînera vers la lumière qui reste le message principal de fraternité universelle transmise par nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs et qui se résume en ces mots. 1. Fraternité. 2. Solidarité. 3. Charité. 4. Indulgence. 5. Fidélité. 6. Tolérance. Nous avons l'obligation d'étendre notre chaîne de partage au-delà des frontières géographiques pour répandre notre énergie positive dans le monde profane afin de le mettre sur les rails de l'humanisation. Voilà très brièvement présenté ce que je peux vous dire avec le vocabulaire français. Je vous laisse vivre tout le reste par vos sens, par votre perception et bien au-delà, par le son, le silence et la lumière. Rendez-vous donc demain et faites-vous le devoir de venir à Saclo avec vos parents, avec vos amis, avec vos collègues, avec vos proches, vos voisins et même vos voisines. Faites-vous le devoir de leur donner l'occasion de goûter aux délices de la fête du mouchoir magnétique. Je vous remercie très profondément, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, je vous donne rendez-vous demain, 1er juillet 2023, à Boïcon, quartier Saclo-Quindelou, sur l'espace ISEP. Au revoir et à très bientôt.